amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien, hein. En ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour, coup de boule. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, hein. Donc, j'étais pas faux dans mes dates, hein, 7 et 23 mars, que j'avais annoncé. Donc, écoutez, on va continuer dans le vif du sujet, puisqu'on va aller faire une vidéo droit dans le mur. Tout simplement parce que Brigaton veut rien entendre et s'imaginer que à partir du moment où il avait décidé que tout irait bien, voyez-vous, mais vous, mon chéri, bien, vous, mon chéri, on arrive avec les fourches peut-être. On va aller faire un tirage, bien évidemment, concernant de ce qui va se produire, de ce qui va se passer par rapport, s'il va y avoir continuité ou pas. Dans un premier temps, j'ai pris le... merci les amis, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour vos pouces bleus, vos likes et surtout vos abonnements. Ici, il va faire un temps de crotte de bique apparemment. Je pense que sur toute la France, c'est pas top non plus. Mais écoutez, restons sous la couette, restons tranquilles. Voilà, et puis faisons de la magie naturelle. Alors, je vais prendre le fameux jeu de Véronique, Indigo Tarot. Pour voir dans un premier temps si on va dans le dur, on va faire juste un petit tirage et après je reprendrai le pôle du sol qui va me donner bien sûr des explications et de la compréhension par rapport à ce qui est en train de se faire et puis on verra si on a des flashs ou pas, d'accord. Donc je prends le jeu, donc dites-moi si on va droit dans le dur, enfin, qu'est-ce qui va se passer dans la situation actuelle. Bon, il y a beaucoup de raidissements, contrairement, vous savez, je le vois quand je tire le jeu, suivant comment le jeu se comporte. Donc, dites-moi tout ce qui va se passer concernant les événements actuels, voir si on va continuer, pas continuer et compagnie, même si je sais que Brigaton donc n'est plus du tout protégé par qui que ce soit ou quoi que ce soit en domaine, dans le domaine de l'ésotérisme. Donc dites-moi tout ce qui va se produire, ce que vous pouvez me dire ou nous dire, pardon les amis, nous dire par rapport aux événements, d'accord. Alors c'est un jeu que je vous conseille, hein. Vous allez sur la chaîne Indigo Tarot, elle a son adresse mail, vous la contactez, vous voyez les modalités de paiement. Moi, je ne l'ai pas payé, elle me l'a offert, hein, je vous le dis tout de suite, donc ça a été un beau cadeau. Ma petite Véronique, je t'embrasse très très fort, bien sûr. Voilà, alors n'oubliez pas ce soir, il y a une très belle soirée avec Ange Medium chez des studios Sky News. Ne la ratez pas, hein, c'est à 20h, donc si vous ne savez pas, vous allez sur la barre de communauté, vous verrez, il y a une vignette avec ma belle Indigo, avec ma belle Ange Medium, et vous cliquez dessus, puis voilà, vous arriverez directement sur leur vidéo. Enfin, moi, j'y serai en live, enfin, dans le chat, hein, bien sûr, mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter une seconde. Et en soir, c'était génialissime avec Marc Neu et Denis Labouret, Didier et Christelle. Le lien grimpant, non, à mon avis, les choses commencent à s'agripper dans la relation. Ils vont essayer de vous prendre pour des enflures à nouveau, en vous en croyant. Oui, ils veulent vous, ils veulent tout brûler, ils veulent tout casser, ils veulent tout faire et compagnie, si vous voulez, pour essayer de nous prendre encore une fois, pour nous faire passer pour des andouilles. On a tous soif de sérénité, mais de toute façon, il y a un bouleversement. Voilà, il y a un bouleversement, oui, ça va continuer dans le doute, dans le doute. Ça va continuer dans le dur, je vous le dis, hein, donc vous voyez la carte Yes. Ici, nous avons donc le bouleversement, il y a quelque chose qui va se produire de toute façon. Là, ils sont dépassés par les événements, le Brigaton, simplement parce qu'ils pensaient qu'à partir du moment où il ouvrirait sa grande boîte, on obéirait, tout rentrerait dans la tranquillité. Non, pas du tout, là on va voir, mais là pour l'instant, pas du tout. Bon écoutez, illusion, donc ils vont vous inventer le Dharmaluche. Alors là il est quelle heure? 7h20, donc pour ma vidéo de 9h, apparemment le Dharmaluche parle à 8h15, pour nous inventer encore des carabissouilles, nous parler de dire
de dire, mais vous verrez, vous allez voir, on va les arrêter, et compagnie, et compagnie. Je vous avais parlé de tribunaux extraordinaires, apparemment, l'Éric Leboulay pathétique, c'est ce qu'il a dit, hein. D'accord? Difficulté, illusion, difficulté, avec désespoir, enfin, vous savez bien, vous connaissez la maison, il y a une évolution vers quoi? Il y a une coupure, donc dans le gouvernement, je peux vous dire, il va y avoir une coupure. Des gens qui vont partir, des gens qui vont rester. De toute façon, c'est la guerre effondrement. D'accord? Donc, il me dit clairement que là, il y a quelque chose qui va se produire, un événement, où de toute façon, c'est là, va être la guerre ouverte entre la borgnette et le bricaton. Bricaton de plus en plus seul, bricaton coupé de sa base, bricaton coupé de ses élus, je vous l'annonce, parce que là, ça ressort fermement. Où les DDPPTT de la Renée qui n'a plus de sens vont s'éclipser et dégager. Voyez-vous? Et dégager. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pluie, tristesse. Donc, il y a des événements qui vont se produire. Donc, ça nous parle d'école. Ça me parle d'école en feu. D'accord? Donc, à mon avis, au niveau des écoles, alors ça peut parler de deux choses. D'abord, je vois une petite école, oui, effectivement, prendre feu. Mais au-delà de ça, je vois que les étudiants, ben, ça va partir à la maïoche. Il y en a un là, vous savez, le petit copain, le copain qui n'a plus de dites, est le copain du bricaton, qui a fait 68 à l'époque, hein, bien sûr, qui a été exfiltré dans des coffres de voiture, il a peut-être oublié, mais ça c'est la vérité. Il y a la prison, l'enchantement, l'envoûtement, la boussole. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, il y a les jeunes qui vont encore rentrer de plus en plus dans la danse. En fait, si vous voulez, tout le système, tout ce qui s'est passé avec le concours Fifinement, je vous dirais, ça ne passe plus. Ça ne passe plus avec ces gens-là, et ils vont se croire toujours pareil, hors sol, ils vont se croire au-dessus de tout, et en fait, ils s'en foutent si vous êtes dans la panade et compagnie, ils s'en foutent. Par contre, là, j'ai bien une école, ça m'ennuie, mais j'ai comme une école qui va être vandalisée, et je parle d'une petite école, hein, d'accord, donc pour les enfants. Il n'y aura personne dedans, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y aura personne, mais bon. Ça fait partie du matériel. Je vous rappelle également, alors c'est juste pour être clair sur le sujet, les amis, je vous dirais que les maires de certaines villes, j'ai pas dit de toutes, mais de certaines, devraient revisiter leurs copies par rapport à ce qu'ils ont fait dans le black, vous voyez, d'aller voir tout simplement. Parce que de revisiter leurs copies, de revoir, parce que tout va être découvert. Donc ils risquent d'être mis à mal. Donc on leur demande plus de transparence, parce qu'il va y avoir des magouilles qui vont être ressorties. Et là j'ai un guet-apens, hein. Un guet-apens qui va être mené par le bricaton. D'accord? En fait, il veut que ce soit le chaos uniquement pour envoyer la force après de dire, voyez-vous, vous devez me faire confiance. Ça me rappelle le Nicolas Luna un peu. D'accord? La confiance, espoir. Alors, par contre, je vous dis, il faut avoir confiance, vous, hein. Vous restez dans votre pénate, enfin, vos pénates. Vous restez dans votre tranquillité d'esprit. Alors, je parle d'une façon générale parce que des fois, on me dit, mais Chris, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Je dis non, j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça. Je dis simplement, il faut quand même, comment dirais-je? Si vous avez 80 ans, c'est ben faites attention à vous quoi, d'accord. Si vous êtes en pleine ville, c'est différent. Si vous êtes à la campagne, c'est autre chose. Voilà. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Mais attention, le gouverne qui ment, enfin surtout le brigaton, vous prépare quelque chose à une sauce pas piquée des hannetons, pas piquée des hannetons. Qu'ils envoient. Vous savez, à l'époque, ils nous avaient envoyé des L.B.D. À l'époque, ben là, ça risque d'être pire que ça. En fait, ils vous préparent quelque chose à la baïoche. Tout simplement, ça risque de pas être cool. Ensuite, avertissement.
Toujours la même ritournelle hein, par rapport « Oui, on est les plus beaux, vous devez obéir, vous devez vous taire et compagnie. » Il y a des découvertes. Alors, pourquoi on me parle de découvertes? Rayonnement, éclaircissement, des choses qui vont sortir. Voilà, ben, c'est parti. Alors, c'est ce que je vous avais annoncé pour l'automne. Vous savez, je vous avais dit que ça va commencer à chauffer pour Bricaton. Et à l'automne, là, on sera au paroxysme concernant Bricaton. Où ça va chauffer plusieurs fois. De toute façon, on est parti. C'est parti dans cette voie-là. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce type sème pas le vent, il sème le chaos tout simplement. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une vacherie sur notre beau pays. Il en a rien à foutre. Alors, je vais être claire avec vous, les amis. Si vous ne l'avez pas entendu, ce type a été mis là grâce à une certaine valseuse de l'époque. D'accord, sous la moule de Hollande, je le rappelle, et que ce type est arrivé pour tout casser, tout détruire, notre belle façon de vivre, il est payé pour ça. Lui, après, il veut plus faire de la popo, lili, titi, coque. Tout ce qu'il veut, c'est aller rayonner dans les entreprises et compagnies et de ramasser des royalties en plus. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous le dis bien, de briller en fait dans des conseils d'administration et autres. Donc, si vous avez pensé une fois qu'il vous voulait du bien, rien du tout. Le but, vous savez, il y a toujours le conseil de Dédé Fanfan-Ceceux, où il fait passer des choses et il est en train de vendre à tout va, que ce soit l'école, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit, enfin, tout azimut, il veut tout vendre, récolter des royalties au passage, bien évidemment, sur notre dos, et de nous mettre à plat ventre. Écoutez, si vous n'avez pas compris, je peux rien y faire. Manifestation. Donc, on y est bien. Donc, je peux vous annoncer que même le monde de la ruralité va rentrer dans la danse. Je vois beaucoup de tracteurs foncer, oh là là, là 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 là. Ça va foncer, hein. Ça va foncer. Il y aura des espionnages. Par contre, je vois des gens de la police, enfin de la police, pas de la police, je dirais, des services spéciaux, s'infiltrer de partout. Soyez prudents dans vos réseaux et compagnie. Si vous avez des nouveaux venus, posez-vous des questions. Savoir si ce sont des gens de bonne vie ou de mauvaise vie. Ensuite, il y aura des blessés. D'accord, on va vous en. Bon, la maison, alors la maison France. Bon, on vous dit que la maison France est en train d'être mise à sac. La maison France est en train d'être mise à sac. Là, ça sort bien. Par une tentative de séduction, enfin vous un propos machin, etc. Mais en fait, ce sera uniquement, c'est une plaie ce mec, d'accord? C'est une plaie les enfants. Faut que vous l'entendiez. Hein. Vous allez voir, c'est une plaie. Ensuite, ici nous avons, alors savoir engagement. Attendez, savoir soutien. Maladie. D'accord. Bon, ben je peux vous dire qu'il va tenter de faire venir, parce que vous savez, il voulait pas voir les syndicats, et ben finalement, il va vouloir les voir et puis en compagnie, mais ça va pas bien. Il va demander le soutien de la France et des Français. D'accord? Et ben si vous l'entendez bien, les promesses ne seront pas tenues. Il va vous promettre des tas de choses, il va nous faire la grande scène du 2, voyez-vous. Voilà. Rodrigue, as-tu du cœur? Oui, si tu n'en as pas, tu en meurs. Voilà, ben, un peu le style là, voyez-vous. En fait, si vous voulez, ce type est vraiment la crapule de service. Là, c'est clair, hein. Donc, là, on va vraiment. Attendez, je vais reprendre. Une et deux, voilà. Donc, collaborateur, collabo-bobo. D'accord? En fait, si vous voulez, pour moi, on passera par une phase comme après les années 40, avec l'étendue. Ça vous rappelle quelque chose? Les collabos,
Bon, les collabos qui vont vite aller voir Bricator, on dit, oh Bricator, il faut que tu nous aides, vois-tu? Ben, ils auront une parfaite impuissance. J'aime autant vous dire, ça va fumer pour vous. Je vous le dis sincèrement, hein, achetez-vous un sexy bien petit œil, parce que franchement, vous aurez beau faire quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Oh là, il y a vraiment des trucs qui se passent. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, bah écoutez, c'est Narcisse, hein, qui se regarde dans le miroir. Il se dit qu'il est le chef de la destinée, que c'est lui qui décide, voyez-vous, et personne d'autre. Là, on est rentré dans un... C'est un psychopathe, hein, donc l'archer du roi et compagnie, là, il faut vous réveiller, là, c'est vraiment un psychopathe, quoi. C'est vraiment un malade mental, d'accord? Alors, ce que je vais faire par rapport à ça... Attendez, hop. On va mettre tout ça sur le côté. On va aller voir. Je vais aller voir, mais peut-être autrement que... Je vais prendre le... Je vais tout mélanger tout de suite. Donc, je prends le Paulus Sun. Attendez, ça, on va le mettre de côté, on s'en fout. Je vais prendre le Paulus Sun. Oh, je ne vais pas faire majeur mineur, je vais faire autrement. Alors, Paulus Sun, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que nous allons continuer dans cette voie de, ben écoutez, que ça part en vrille, quoi, tout simplement. Est-ce que, par contre, je vois des groupes organisés là. Donc, est-ce qu'on va partir en vrille par rapport à cette situation? Est-ce que ça va continuer? On va faire comme ça. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va partir en vrille? Dis-moi si ça va partir en vrille. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'ai pas l'habitude d'aller tirer comme ça, mais il y a des fois j'aime bien changer. Tout dépend de la situation en fait. Est-ce que ça va partir en vrille? Mais Bricaton va vous faire la grande roue, hein, la grande scène du 2. Hein. Voilà. Alors, ils ont tous carrément des bracelets aux chevilles, mais ça vous le savez déjà. Jugement. Donc les Français jugent l'individu. On me parle bien l'avorton là. L'avorton. Il y a quelque chose en communication. Oh ben écoutez, il ira même plus parler aux jeunes, il ira parler aux cours maternelles parce qu'il y a que là où on écoutera, il y a une colère. Là, je peux vous annoncer que la colère est immense. C'est pas une petite colère, c'est énorme. Et là, il y a des organisations qui se mettent en place. D'accord? Donc là, pour moi. Ça chauffe de chez chauffe, ça chauffe de chez chauffe concernant le Bricaton. Et là, la cause est entendue. Le concernant, plus personne ne l'écoutera plus à jamais. D'accord? Donc, si vous êtes dans l'entourage de Bricaton, dites-lui bien qu'il se la ferme, que chaque fois qu'il viendra, ça sera encore pire, hein, chaque fois. Donc là, je peux vous annoncer que la colère, eh bien, et encore, je crois qu'on n'a rien vu de par rapport à ce qui va se passer. Parce que là, il y a une organisation prise de décision par rapport à la population. D'accord? On va dire comme ça pour populace. Populace, si vous voulez, c'est parce que ces gens-là, c'est comme ça qu'ils nous traitent, voyez-vous. Donc, je vois un petit côté autodérision par rapport à ces gens-là. Donc là, je peux vous annoncer une colère immense par rapport au Significator, là, qui me dit clairement que c'est de Brigaton dont on parle. Ensuite, donc c'est de nous dont on parle. Le Bricaton ressort avec sa briquette, d'accord, qui sont au-dessus. Là, il nous parle de financer la rupture. Je vous annonce que rupture ne veut pas dire qu'il va partir dans la seconde. Je vous dis simplement qu'il y a une rupture totale et que certains journaliers vont se retourner d'ailleurs contre le Bricaton en disant qu'ils ont piqué du pognon dans la caisse. Je vois des campagnes d'investi.gation. Je vous rappelle que les révélations concernant la vidéo d'hier, ils sont impliqués au milieu, les saloperies, là. Donc, ça, je peux vous le dire, ils sont impliqués au milieu. Donc, ça, c'est une certitude. Ils vont devenir inactifs, ils ne pourront plus bouger. D'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai appris, il est
interdit de se présenter en public, physiquement, j'entends, hein, de ce qu'on a pu apprendre, il est interdit de se présenter publiquement. Communication, communication, pourquoi de l'armée? Voilà, ils vont à un moment donné prendre la décision d'envoyer quelque chose de plus costaud. Alors, je vous avais parlé de ces ZUP qui n'ont plus de roi, vous savez, l'équipe A point Zoff, eh bien, des grandes chances que ce soit ça. D'accord, une décision qui va être de leur part, mais en ce qui leur concerne, leur communication ne passera plus. Il n'y a plus rien à part de quelque chose, ils vont nous parler de quelque chose d'un peu plus, enfin pas d'un peu plus, de martial. Bien, parce qu'ils vont voir que là, c'est bien parti à la Mayoche. Ensuite, action de qui? D'un escroc? Ouais, ben écoutez, ils vont nous le faire à l'envers. C'est toujours du blabla, de la comédia dell'arte. On est vraiment dans une scène de théâtre en ce qui les concerne. Ils vont s'entendrer. Ah oui, ils vont s'entendrer. Ils vont discuter en parlant aux familles et de la peste aux étoiles. Donc, il va tenter de partir, de discuter. Enfin, c'est l'escroc par rapport. Ah ben, écoutez, il va aller faire des voyages. Et puis en plus, il va nous parler de peste aux étoiles. Vous êtes plus français, vous êtes de la peste aux étoiles. On est les pestois de l'étoile, on va dire comme ça. Ça concerne l'étranger. Pour moi, si vous voulez, que il n'y a pas que notre beau pays qui part en vrille. Il y en aura d'autres également, mais je vois plus des gens de ces. Comment vous dirais-je? Je vois plus des gens de ces pays-là, si vous voulez, mais les élites locales de certains pays, etc., rentrer dans la danse. D'accord? Rentrer dans la danse. Rupture. Il y a vraiment quelque chose qui va se courir là. Il y a vraiment une rupture, mais alors la rupture est consommée avec ce monde des lobes point. Et les gens n'en voudront plus du tout. Mais là, ça va mal se terminer, hein. D'accord? Même entre eux, si vous voulez, dans leurs associations et compagnie. Là, donc, pourquoi réussite dans leur groupe? Il y a un changement radical au sein de leur groupe. Je vous l'ai annoncé plusieurs fois. Donc, on rentre dans le dur, hein. D'accord? Je vous le dis, on rentre dans le dur. Donc, c'est une question qu'on va peut-être poser, les amis, si vous me permettez. Avec le 32 cartes, d'accord, est-ce qu'on va rentrer dans le dur? Attends, je vais enlever ceci. Hop, hop. Ah, c'est bien. J'ai ma lampe, je cogne dessus, elle s'allume toute seule. J'adore, bon. J'adore cogner le matin. J'adore cogner le matin. D'accord? Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le dur? Est-ce qu'on rentre dans le dur en ce qui concerne tous les événements? Alors, est-ce qu'on rentre dans le dur? Lumière. Donc oui, on rentre dans le dur puisque là j'ai une issue favorable. D'accord, ils vont tenter de causer. Apparemment, ils vont envoyer briquette. Apparemment, vous savez, celle qui est perruchée. Hein. Perruchée veut dire perruque pour moi. Il y a une colère par rapport au briqueton. Qui ne supporte plus, et là on voit une déception. Alors, pour moi, si vous voulez, il y a bien un changement à venir avec difficulté. Lumière pour Briquette, va y avoir des problèmes. Briquette, va y avoir des problèmes. Est-ce qu'on va continuer dans cette voie? Est-ce que tout va continuer dans cette voie? Parce que les gens sont remontés, les enfants. Hein. C'est pas la lumière cette fois. Alors, est-ce qu'on va continuer dans cette voie? Est-ce qu'on va continuer dans cette voie au niveau des manifs et compagnie? Alors, projet, contrat, oui. Donc, il va y avoir d'autres manifs et je peux vous l'annoncer clairement, des choses qui se mettent en place et ça va chauffer encore plus. D'accord? Ça va chauffer. Il y aura une doute par rapport à l'exécutif, pensée qui s'équilibre. Là, je peux vous l'annoncer, ça chauffe, ça chauffe, ça
ça chauffe. D'accord, les amis? Donc, si vous me dites que ça ne durera pas, je n'y crois pas une seule seconde. D'accord? Ça va bien durer dans le temps. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire concernant dans le dur. Dans le dur, ben, on y va clairement, mais ça, c'était cousu de fil blanc. Est-ce qu'ils... Ah, tiens, attendez, regardez. Est-ce qu'ils vont retirer la réforme? Est-ce qu'ils vont retirer la réforme? Est-ce que la réforme sera retirée? Ça, ça peut nous intéresser. Est-ce qu'ils vont nous retirer la réforme? Est-ce qu'ils vont nous retirer une invitation ici favorable? Difficulté, l'autre il ne va pas vouloir lâcher. Il y a les lobes premiers qui sont trahison. Non. Est-ce qu'ils vont la retirer? J'ai des gros doutes. Donc ça va y aller à la maillotche. D'accord? Ça va y aller à la maillotche. Pourquoi? Parce qu'il y a des trahisons, des lobes point B qui sont derrière. Donc les lobes point B, ce sont des sociétés qui ne sont pas du tout de chez nous, hein, les amis. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils vont vouloir la laisser. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne journée. Oula, moi le matin, je me réveille, je vais reboire un petit café, je mets tout ça en place pour que vous l'ayez pour 9h ce matin. Gros bisous tendres, je vous souhaite une bonne journée, surtout soyez pas sages, d'accord, mettez des baffes, ça fait quelquefois du bien. Voilà, si vous ne savez pas pourquoi, ben ils le savent. Et puis quelque part, il faut remettre un peu de la lumière dans votre vie. Gros bisous tendres, à demain pour d'autres aventures.